C'est pas un piège, le trop bon client à la télé. Ah, mais moi, je trouve que c'était le pire piège. Et je pense modestement qu'il fallait pas y tomber. Hein. Mais c'est un piège monstrueux. Ça devient la pute médiatique. C'est la catastrophe qui peut arriver de pire à un interprète. C'est se piéger lui-même dans une identité qui est exigée comme outrancière. Vous comprenez, les Français qui vous regardent à un moment à la télé, ils sont pas obligatoirement exaltés, donc ils peuvent prendre ça très mal, un mec qui est là, surexcité comme ça. Comment se fait-il que tout d'un coup, quelque chose en toi te viole de ta décision d'être un tout petit peu en repos ? C'est le pur symptôme. Ah bah ça ressemble à l'hystérie, ça. D'assez profond, mais j'ai un masque banal qui aide d'avoir une amplitude, hein, c'est tout. Enfin, une amplitude, même pas une amplitude, d'être dans... J'aime bien le spectacle.
votre casquette. Alors, oh, bah, je vous aime mieux là qu'à la télé. Donc j'ai une nature sérieuse, et donc quand les gens disent que je suis exubérant, je suis exubérant sur les plateaux télé. Mais je suis quelqu'un d'assez sérieux. Nous tournions Johnny Hallyday, Jean-Philippe, et tout d'un coup à 7h du soir je vais au maquillage. Johnny me pose la question étonnante: qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui toi? Alors je lui dis: bah écoute, j'ai lu un peu Schopenhauer, Métaphysique de l'amour et de la mort, j'ai fait une petite marche pour que le cardio training fonctionne pas trop mal, et puis après j'ai écouté Glenn Gould pendant une bonne heure et demie, et il m'a répondu cette phrase totalement étonnante: tu t'es fait chier toi. Là, c'est pas pour dire une phrase, mais je vais quand même la faire, hein. Vous me l'attendez, c'est ne faire qu'un. J'ai pris une phrase, vous disiez: c'est une aberration de penser qu'un couple, c'est du sexe. Tant qu'il y a de l'incompréhension, il y a beaucoup de sexe. Oui. S'il y a de la vraie compréhension, il y a donc une certaine affection, une reconnaissance et forcément moins de sexe. Bah ça, dis donc, c'est pas trop con. Thank you.
Quoi ton projet là? Dans quel scénario? Je dis ben un scénario normal quoi. J'ai fait un projet avec une femme. J'ai repeint un studio. J'ai peint le studio. À les rentrer, j'avais préparé des petites assiettes. J'ai presque mis des bougies. Je voulais un petit projet, un bon petit projet pépère. Un bon petit truc bien régressif. Bien, bien régressif. Et à un moment, j'ai été dans le pieu. Et là, elle en a pas. Elle a dit, mais c'est quoi ton projet là? Très peu. Pourquoi? Qu'est-ce qui est difficile dans la vie de couple, Fabrice? Ben, c'est que... Les femmes ne vous supportent pas, vous ne les supportez pas. Ben, c'est être un couple, hein. C'est pas pour dire une phrase, mais je vais quand même la faire, hein. Vous me l'attendez, c'est ne faire qu'un. Mais lequel? C'est pas de moi, c'est de Scarval. On peut faire deux, en fait. C'est rare, le couple, il y a toujours un des deux qui est niqué. Il y a toujours un des deux qui est niqué. Il y a toujours un des deux qui est niqué. Mais il y a le couple fusionnel qui est intéressant. Il y a le couple normal. Comment tu vas, chérie? T'as fait des cours, je redescends, ça va être magnifique. Je ne juge aucun couple. Je pense qu'il n'y a pas d'exception. Vous n'avez rien vécu. J'ai jamais vécu le couple. Jamais. Personne m'a dit, va chercher le pain.
C'est quand les gens disent... Moi, non, on n'a pas du tout aimé le Maroc. Hein. Pas vrai ? Léon ? Alors, Léon, il est dans les lumières, il est en train de... Il bricole, le Maroc, souvent. Hein. Il dit quoi ? Hein, t'as pas aimé le Maroc ? Non, j'ai pas aimé. C'est-à-dire qu'en gros, un couple, c'est deux individus pas finis qui inventent un troisième individu qu'est le couple. Alors, ils savent pas qui ils sont, mais ils sont quelqu'un parce qu'ils sont le couple. Donc c'est 1 plus 1 qui fait un 3. C'est le 3CE. Une aberration de penser qu'un couple c'est du sexe. Tant qu'il y a de l'incompréhension, il y a beaucoup de sexe. Oui. S'il y a de la vraie compréhension, il y a donc une certaine affection, une reconnaissance et forcément moins de sexe. Bah ça, dis donc, c'est pas trop con. Il faut du courage pour être votre ami. Non, il faut d'abord avoir beaucoup de chance de rencontrer des êtres de cette qualité-là. Par ce qui vient de se dire, bien entendu. Je suis innocent, pas dans le sens coupable, mais je ne sais pas tout ce que je suis, moi. Je ne sais pas tout ce que je suis, moi. Je suis innocent, pas dans le sens coupable, mais je ne sais pas tout ce que je suis, moi. Je ne sais pas, je comprends pas, je... C'est bizarre parce que...
ça me touche. C'est bizarre, hein, c'est bizarre, ça me touche. Parce que là, ça me renseigne.